Suivez tous les jours sur Zoé Chanel, la Baby France. Bonjour, peuple de Dieu. Après la prière de papa sous l'eau, vendredi, moment de atmosphère de miracle, j'ai lavé ma face. Arrivé à la maison, j'ai lu, puisqu'il y avait le verset biblique qui était dans Matthieu 15, verset 13. Où le Seigneur disait, toute herbe plantée dans ton corps qui n'est pas de mon Père céleste sera déracinée. J'étais connectée, je priais. Subitement, j'avais les yeux fermés, j'ai vu une montagne devant moi et le Seigneur m'a apparu. Papa était à côté et il a dit, je te présente le mont Sinaï. Et je dis, subitement, j'ai commencé à vomir. Des choses sortaient dans ma bouche, des choses sortaient dans ma partie intime. C'est ça que j'ai, après j'ai entassé et j'ai filmé. Je rends grâce à Dieu, je remercie le Seigneur pour ce bienfait, pour tes prières, depuis Ebogo jusqu'ici, depuis 2007 que je suis à Réma, qu'aujourd'hui le Seigneur a pris ma vie en considération et qu'il est en train de faire de bonnes choses dans ma vie. Je dis merci à l'Éternel. C'est ça, c'est ces choses. Bonjour peuple de Dieu. La semaine où papa nous a donné les mouchoirs à accrocher à la maison, on a accroché pour nous. Dans la semaine, nos petites soeurs sont mis à déclarer les effets de sorcellerie, que tout le malheur qui arrive dans notre famille sont tels. Que tout ce que nous vivons, le malheur sont tels. Ils ont dit qu'on vient avec eux pour qu'ils puissent sortir de cette sorcellerie. Et pourquoi vous n'avez pas témoigné depuis? Nous sommes venus plusieurs fois, on n'a pas pu être. Donc vous avez utilisé le mouchoir, ouais. Oui, c'est entré à la maison, elles ont commencé à parler. Oui, papa. Lorsque le nom de Jésus-Christ est invoqué quelque part, on n'a pas besoin de faire la publicité. Amen. Si on écrivait le nombre de choses que Dieu accomplit dans ce ministère, dans les vies des gens, le Cameroun ne contiendrait pas tous ces livres. Et elle disait quoi? Elle a commencé à dire qu'ils ont pris tous nos enfants, nous tous chez nous, ils ont jeté. Ils ont fait en sorte que ma mère ne soit jamais du travail qu'elle a fait de faire. Elle a pris l'argent, nos argent qu'on travaille, elle a enterré. Elle a pris le corps de notre soeur, elle allait jeter dans l'eau. Elle a pris ses enfants, elle allait jeter. Elle a pris son passeport comme elle dit que là-bas, sa soeur doit être intelligente. Elle est partie avec, elle a jeté. Donc, et votre soeur est où? C'est qu'elle le passeport est où? Bon, elle n'est pas venue aujourd'hui. Donc. Elle avait un passeport? Non. Elle a parlé du qu'elle a le monde spirituel, donc elle doit voyager, mais elle ne peut pas. Nous, comme elle est très intelligente à l'école, elle a divisé, même pour nous tous, elle a pris. Ils sont allés jeter. Et c'est qui ça? Qui confessait ça? Non, ils sont là, papa. Appelez-les. Mais voilà, grâce à Dieu. C'est vrai que celle-ci, les deux, enlève un peu le masque. Qui t'a mis dans la sorcellerie? Qui? La belle-mère de ma tante. Et quand vous sortez, vous faites quoi? On va prendre les enfants des gens. On va lancer les maladies. Vous les prenez comment? How do you take them? On est en train de causer. Papa. Parle alors. On part dans la maison, qu'on ne prie pas. Arrivé, on est fait. Donc quand vous arrivez, vous trouvez qu'il ne prie pas, vous entrez. Papa. Et si on prie, vous faites comment? On ne peut pas entrer. Toi qui dors la nuit, ta bouche ouvert, mais le sourire vient pisser dedans. Tu as suivi, non? Voilà, tu ne pries pas. Tu dors jusqu'à baver. Le matin, tu te lèves, ton ventre est gros. Les sorciers ont pompé l'air dedans. Voilà ce qu'elle dit. Et donc, et quand vous entrez, quand vous trouvez que les gens ne prient pas, vous entrez dans la maison, là, vous faites quoi? On est dans la nourriture. On est nourri.
consacre pas la nourriture, on finit de retirer les enfants. Quand ils ont apporté le mouchoir ou un chevau, qu'est-ce qui s'est passé avec le mouchoir ou un? Ça nous a menacé. Comment? Est-ce que ça parlait? Non, papa. Ça vous a menacé comment? Ça nous faisait qu'on ne pouvait plus sortir. There is power. Ok, vous avez fait quoi dans la famille? On a pris les enfants de nos frères. Les enfants de qui? Nos frères. Vous avez fait quoi d'eux? On est parti enfermer. Où? Dans la sorcellerie. Vous avez encore fait quoi avec leur argent dans la famille? On est parti enterrer. Tous les tours que vous faisiez pour enterrer là, on vous a payé? Quand tu dors là-bas? Non, elle habite avec vous? Oui, papa. Tu manges là-bas? Oui, papa. Tu dors dans leur maison? Oui, papa. Tu bois leur eau? Oui, papa. Les habits, c'est eux qui te donnent? Oui, papa. Et tu pars fermer leur vie? Pourquoi? C'est pas moi qui fais. Qui fait? On me manipule. Toute personne poursuivie par les sorciers ici. Every person from the wizard here. Nos enfants, parfois, tu vois l'enfant qui est intelligent, l'enfant devient bête. Il devient un zircon, un zazou, un loupard, un maboule, un zinzin. Lève ta main. Dis, oh Dieu. C'est oh God. Toute main de sorcier. Every hand of wizard. Contre ma vie. Against my life. Contre mes enfants. Against my contre ma famille. Against je la coupe au nom de Jésus. Je la coupe au nom de Jésus. Je la coupe au nom de Jésus. Ouvre la bouche, commence à retrancher la main du méchant. De ta vie et de ta famille. Mazali wa inhelo meroso. Suppress menros creso. Crash Manro. Sabata Mera, Seigneur, nous jugeons les hommes de la sorcellerie. Nous détruisons leurs hôtels. Nous faisons voler en éclats tout sacrifice contre nos vies. Nous prenons autorité sur notre territoire. Nous reprenons possession de ce qui nous appartient. Nous déclarons la libération, nous déclarons l'élévation, la guérison au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, on a prié. Vous comprenez donc qu'il y a des maladies qui ne sont pas normales. Il y a des, je ne sais pas comment on va vous expliquer ça. Je vous dis la vérité. Le mouchoir où est là, tous ceux qui l'ont utilisé, la délivrance est entrée dans ta maison. La restauration est entrée dans ta maison. Le mariage est entré dans ta maison. La richesse est entrée dans ta maison. La bénédiction est entrée dans ta maison. Dans le nom souverain de Jésus de Nazareth. Suivez tous les jours sous une chaîne La Voix de France